Africa is thirsty for electricity. According to 2016 data from the World Economic Forum, only 24% of sub-Saharan Africans have access to electricity. The purpose of the project is to rehabilitate and extend the electricity transmission network of Togo and Benin. Both Benin and Togo are defined as highly indebted poor country, and so they have limits in the amount of additional debt that they can contract. So the role of the ITF subsidy was to increase the level of concessionality. If the promoters of Benin and Togo had to look for this funding somewhere else, probably it would have costed much more. So meaning a further burden to the electricity tariff. Private actors cannot cover substantial risks that you have in poorer, more fragile countries. So it's important that from the public side, from a donor side, we take away those risks so that the private sector can invest and realize the investment that we want. By pooling our resources together, a donor like Finland is able to participate and invest in huge infrastructure projects in Africa that we couldn't do bilaterally. Et donc, il nous faut de la gouvernance, il nous faut des moyens, il nous faut des transferts technologiques, c'est fondamental, fondamental. Et il me semble qu'il faut aussi une certaine approche qui leur dit, on va vous aider, mais in fine, c'est quand même vous qui devez choisir là où vous voulez investir, ce que vous voulez faire, comment vous voulez faire. Ils doivent s'approprier complètement le projet. Et je pense qu'on doit essayer de rassembler nos moyens dans un outil plutôt que de multiplier les moyens dans 36 outils. Les fonds EU-ITF sont souvent indispensables puisque les assistances techniques sont financées par ces fonds-là. Mwanza est constitué de différentes collines qui sont élevées et très pentues. Donc les gens ont construit des habitations informelles autour des rochers et tout en haut, tout le long de la colline. Ils n'avaient pas de raccordement, bien sûr. Et leur petite toilette à côté de la maison était raccordée sur un puits qui n'était jamais vidé. Finalement, une solution a été trouvée. Les maisons, maintenant, les latrines sont raccordées à un petit tuyau qui va rejoindre, qui descend le long de la colline et qui arrive en bas, sur l'égout principal. Et comme ces tuyaux devaient être protégés, on en a profité pour créer des escaliers. C'est vraiment quelque chose qui est venu grâce à une collaboration, une discussion entre les différents intervenants. Les Tanzaniens, les habitants appellent ça les Stairway to Heavens. When you invest €1 of grants, the fund has been able to leverage €18 of investments from the private sector. So it has been quite successful. Working in public-private partnerships delivers genuine development results, and we're also glad that at the European level this has been taken fully on board. And we now encourage other member states to follow suit because you get more value for your money and more development impact. Ce fonds intègre une partie d'interprétation, de jugement, d'appréciation politique, en fait. Ça, c'est la différence. Et c'est évidemment là où la grande valeur ajoutée se trouve. On appréhende le problème un peu plus globalement que de manière comptable. Et c'est comme ça que ça a été lancé, que nous avons pu présenter ce fonds, qui aujourd'hui, d'ailleurs, est une vraie success story.